La tournée américaine du prince William et de Kate montrera à Meghan et au prince Harry qui sont les vrais membres de la famille royale. Le prince William accueillera la cérémonie de remise des prix Earthshot dans la ville américaine de Boston, ont annoncé les organisateurs. Le lieu du concours environnemental de 50 millions de livres sterling était largement attendu, mais il reste à voir si le duc et la duchesse de Sussex, qui ont élu domicile aux États-Unis, seront parmi les invités lorsque l'événement aura lieu début décembre. Harry et Meghan vivent en Californie, un État réputé dans le monde entier pour ses causes environnementales. Le biographe royal Tom Bower a souligné que le voyage de William était une décision intelligente. S'adressant à Palace Confidential sur Mail+, M. Bower a déclaré « Je pense par exemple que l'annonce que William va prononcer un discours sur l'environnement à Boston est une décision très intelligente. Cela montre la vraie famille royale au lieu de la famille royale de Montecito. Je pense qu'ils ont très bien géré toute la visite du jubilé avec Meghan et Harry. Ils l'ont contrôlé et se sont assurés qu'il n'y avait pas de retombées dommageables. Je pense que la reine sera ravie que son fils et son petit-fils sauvent et réparent le problème. » La cérémonie inaugurale de remise des prix a eu lieu à El Alexandra Palace de Londres en octobre dernier et parmi ceux qui ont foulé le tapis vert de l'événement figurait la star de Harry Potter, Emma Watson. Vêtue d'une robe composée de 10 robes de mariée des Oxfam, et Dame Emma Thompson. Le prix vise à découvrir et à développer des solutions révolutionnaires pour réparer la planète et un prix d'un million de livres sterling a été remis aux gagnants dans 5 catégories où Earthshot, Protect and Restore Nature, Nettoyer notre air, Raviver nos océans, Construire un monde sans déchets, et Réparons notre climat. Stay.